partie pour une nouvelle rando découverte. J'ai pas pris mon micro avec moi, j'espère que vous m'entendrez bien. Là je passe à côté d'une école en plus. Bon, je suis actuellement dans la forêt de Louveciennes, c'est vers Bougival, et j'ai froid. On est au mois de mai, mais il caille. Je pensais m'être assez couverte. Bon, j'espère que le soleil va bientôt réapparaître et me réchauffer un peu. Puis je vais me réchauffer en marchant aussi. Mais voilà, à peine sortie de la gare de Bougival que je suis rapidement en forêt, donc ça c'est cool. Donc c'est parti pour un tout nouvel épisode. Normalement la randonnée dure à peu près 3 heures. Je vais passer par le parc domanial de Marly-le-Roi. Marly-le-Roi, je connais plutôt bien puisque mes grands-parents maternels y ont longtemps habité. Donc je m'y rendais quand j'étais petite. Et la forêt de Marly, je connais aussi assez bien, même si elle est grande et qu'on n'y est pas allé tant de fois. Je connais mieux la forêt de Saint-Germain-en-Laye par exemple. Donc je vais découvrir tout ça aujourd'hui. J'espère que la météo va s'améliorer un petit peu. Que je suis pas allée dans le parc domanial de Marly, là où se trouvait l'ancien château. J'y suis allée quelques fois quand même, plus tôt dans ma vie, mais alors ça fait un bail, hein. C'est marrant d'y revenir. C'est un parc impressionnant, il est moins connu que le château de Versailles bien sûr, mais ça vaut le coup, hein. C'est très très beau. Je tiens à vous dire quand même que cette randonnée est bien plus sportive que la précédente. Hein. Comme je vous l'ai dit, la forêt de Marly, ça grimpe, ça descend. Est-ce que je l'ai dit? Je sais pas, c'est très vallonné. Donc, ouais, je le sens un peu passé. Pourtant, je suis sportive, hein, mais j'avais oublié que c'était à ce point-là accidenté en fait. Mais c'est super, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous préviens. Hein. Ah, un obstacle à franchir. Un gros tronc. Alors, je pourrais passer par là. Est-ce que je me la joue? Je vais me la jouer. Vous savez quoi? Hop là. Waouh. Oh waouh.
Me voilà de retour de cette randonnée. Une randonnée assez courte de 3 heures. Oui, pour moi, c'est court. Et en plus, j'ai l'impression qu'elle est passée vraiment vite. Pourtant, elle n'était pas tellement plus courte que la précédente randonnée que j'ai faite dans la vallée de la Bièvre. Mais en même temps, dans la précédente randonnée, je me suis un peu perdue, je me suis un peu rallongée, donc c'est peut-être pour ça. Là, je me suis pas perdue. À la fin, j'ai simplement fait un petit détour, puisque... Alors, je vous explique le circuit. C'est d'abord sur un GR de pays, à partir de la gare de Bougival, donc balisage jaune et rouge, et ensuite ça change pour un GR tout court, le GR1 d'ailleurs, donc balisage blanc et rouge, et à la toute fin pour arriver à la gare de Saint-Nom-la-Bretèche, en fait il faut quitter le GR1, et il y a une petite balise qui indique la gare de Saint-Nom-la-Bretèche, et en fait moi je sais pas, quand j'ai vu que la gare était indiquée, je me suis dit que ça devait être trop tôt, donc j'ai continué sur le GR1, et en fait non, il fallait que je fasse demi-tour pour repartir sur la gare de Saint-Nom-la-Bretèche, sinon j'allais me faire tout le GR1 comme ça quoi. Comme il y a la contrainte du couvre-feu à 19h, c'est pour ça que je me permets pas de faire des randonnées trop longues, donc pour aller jusqu'à Bougival, de là où j'habite, j'ai mis à peu près une heure, donc il fallait que je compte un peu plus d'une heure au retour, puisque Saint-Nom-la-Bretèche, c'est le terminus de la ligne L de Transilien qui se prend à Paris-Saint-Lazare, si vous voulez tout savoir. C'était un très beau circuit, beaucoup en forêt, très boisé, hein, comme vous avez vu. La forêt de Marly, j'aime beaucoup, je la connais plutôt bien parce que c'est très vallonné, donc il y avait des moments, ça montait bien, je l'ai bien senti dans mes mollets. Donc c'est pas mal pour les sportifs, pour s'entraîner, pour la montagne aussi, je pense que c'est assez chouette, ou même pour les trailers. Comme c'est assez accidenté, je pense que c'est tout à fait intéressant. Le GR passe aussi dans le parc domanial du château de Marly, enfin l'ancien château, puisqu'il n'en reste que quelques ruines. Alors l'histoire de ce château, un peu quand même, je vais sortir ma science, c'est que il a été construit par Louis XIV et le château de Marly-le-Roi était vu à l'époque comme un château de plaisance qui se voulait différent de Versailles. Mais finalement, ce château a été plutôt laissé à l'abandon, puis il a été pillé pendant la Révolution française, puis les troupes de Napoléon s'y sont installées, ce qui a augmenté la dégradation de ce château. Après, je crois qu'il a été racheté par un Parisien pour créer une usine de textile, et il me semble que c'est ça. Mais en tout cas, le château est tombé en ruine, et aujourd'hui, il y a des fouilles archéologiques qui sont organisées, mais il n'en reste plus rien. Mais il y a le parc, par contre, qui est très beau, et ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance, parce que mes grands-parents maternels habitaient à Marly-le-Roi, maintenant ils ont déménagé en Bretagne, mais... J'y allais de temps en temps avec eux et c'est vrai que ça m'a fait plaisir de revenir sur ces lieux-là. Donc c'était un circuit très plaisant, vraiment, je recommande. Je crois que j'ai eu une petite préférence pour la vallée de la Bièvre parce que peut-être un peu plus variée en termes de paysage, mais globalement c'était très bien. Donc le circuit se trouve dans ce topo guide, les Yvelines à pied. Pour l'instant je fais les Yvelines, après bien sûr je vais pas me contenter de ce seul et unique département d'Île-de-France. Et les Yvelines, c'est très grand, hein, y a plein de choses à faire. Donc je n'ai pas fini de découvrir des sentiers de randonnée en Île-de-France et de vous les montrer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez quelque chose à ajouter, une expérience, un conseil, pourquoi pas, d'un circuit, vous pouvez laisser un commentaire en dessous de cette vidéo, je le lirai avec intérêt. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, le bouton s'abonner est juste en dessous. N'hésitez pas à cliquer dessus, ça me ferait plaisir. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air qui fait toujours chaud au cœur. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vous dis à lundi prochain pour une autre vidéo.